Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la vidéo de la semaine passée, à savoir les tops de 2023. Sauf que ce week-end, eh bien, ce sont les flops. Voilà, c'est disclaimer, moment disclaimer, c'est toujours compliqué quand on est book influenceur de se décider à tourner ce type de vidéo. Je me demande chaque année si je fais bien, si je fais mal, si c'est de toute façon intéressant pour vous. Je dois dire qu'en fait je cède un petit peu à la facilité parce que je sais que ce type de vidéo fonctionne quand même relativement mieux que les tops malheureusement. Et la deuxième chose c'est que moi ça me permet d'affiner mes goûts et de savoir un petit peu mieux m'orienter dans mes lectures. Et bon bah comme c'est une toute nouvelle année, c'est autant bien en choisir. Ça veut pas dire parce que j'ai détesté un livre ou que je vais le critiquer que vous n'avez pas le droit de l'aimer bien entendu. Comme je vous le dis ici, je donne un avis vraiment personnel et les goûts et les couleurs à un moment donné, ça peut pas non plus se discuter pendant 10 000 ans, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais je trouve ça intéressant que je sache pourquoi en fait j'aime ou pourquoi je n'aime pas. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait une liste beaucoup moins longue que celle de la semaine passée. Dans le pack, dans la liste en fait de flop, je n'ai que 11 livres et je dois bien vous avouer que ça va être un petit peu compliqué de me rappeler de tous, parce qu'à partir du moment où j'abandonne un livre et où je le finis mais je ne l'apprécie pas, ben mon cerveau passe à autre chose. Et alors dernier disclaimer, comme la semaine passée, je vais vous parler de ces livres dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus, donc c'est pas du plus pire au moins pire ou inversement, absolument pas. C'est juste voilà ma petite liste au fur et à mesure de l'année 2023 de livres que je n'ai pas appréciés, que je n'ai pas pu finir et d'auteurs peut-être que je ne retenterai pas à l'avenir. Allez savoir. Commençons par un livre qui est plébiscité partout, par tous ses lecteurs, que les lecteurs attendaient d'ailleurs très activement en traduction. Je sais que la maison d'édition qui l'a traduite, on a sorti des versions collector qui sont à chaque fois sold out. Moi je l'avais acheté en version e-book et mon dieu qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que Les Accords Corrompus, le tome 1, donc Rêve de Glace, dont je vous mets la couverture ici, ben ça l'a pas fait. J'ai trouvé ça particulièrement long et ennuyant. J'ai pas du tout compris l'intérêt de cette héroïne voilée. Je me suis dit pourquoi. J'ai pas eu assez d'indices que pour me titiller un petit peu l'imagination ou titiller ma curiosité, et donc je m'en suis très vite désintéressée, faut bien dire ce qui est. Je l'ai fini en espérant que ça allait s'améliorer, pas trop. Honnêtement c'est pas un mauvais livre, je comprends totalement qu'il plaise, mais c'est un livre young adult et ce n'est pas ma came. Le young adult et moi c'est vraiment une longue histoire de je t'aime moi non plus, amour haine, des fois ça passe très bien. Et des fois pas du tout, j'aime quand les thèmes abordés dans le young adult sont quand même pas piqués des vers, d'un standing un petit peu plus haut, etc. Et là ben j'ai trouvé ça vraiment trop basique, j'ai trouvé que ça ressemblait à une fanfiction un peu désuète, un peu mal écrite, etc. Là l'héroïne en soi aurait pu être intéressante, mais tous les gens l'aiment, c'est tout le contraire de sa famille, elle a une méchante maman... Donc bref, j'ai pas tout compris. Et j'ai eu un mal fou également à me situer dans l'univers, puisque c'est Rêve de Glace. Là en fait on est sur deux planètes, on va dire ça comme ça, en tout cas deux projections différentes, avec le monde des glaces et le monde solaire, enfin je sais plus comment il s'appelle. Et les deux sont reliés par des escaliers vachement difficiles à emprunter. Et donc c'est le moment dans l'histoire des deux royaumes où ils ont des accords. Et donc l'héritier d'un royaume vient dans l'autre. Et les accords sont en train d'être entretenus. Et la princesse héritière du royaume du soleil, elle est recluse. Sa mère la déteste et la pousse loin de la société, de la bonne société. Pour autant, je sais pas pourquoi, mais son petit frère l'adore. Alors que tout est fait pour que la relation ne prenne pas entre eux. Donc voilà, j'ai pas tellement compris les enjeux. J'ai trouvé ça un petit peu surfait, voilà. Et quand j'ai eu terminé le tome 1, je me suis dit, ah ben je m'en fiche de la suite. Donc voilà, c'est un flop pour moi malheureusement. Alors que sur papier, ça aurait pu vachement me plaire. Après, il faut savoir que je l'ai lu en français, c'est donc une traduction. Ce qui me permet pas non plus de juger énormément de la plume de l'autrice.
Mais dans ce que j'ai lu, j'avais trouvé ça extrêmement simple et voilà. Et alors cette héroïne avec le voile m'agaçait. Je sais plus pourquoi elle m'agaçait autant, mais c'était une lecture qui date de janvier, donc ça date un petit peu. Le deuxième flop que je garde pourtant dans ma bibliothèque et que vous pouvez voir affiché, c'est celui-ci. Dark Rise de C.S. Packett dans cette magnifique édition. L'édition est superbe, franchement rien à redire. Cette couverture là, cette carte ici, c'est vraiment ma partie préférée. J'avais déjà lu la précédente trilogie de C.S. Packett au moment où elle buzzait pas du tout. Elle passait inaperçue, elle était même pas encore traduite en entier. Donc j'avais fini de lire, j'avais fini de lire la saga en anglais. J'avais bien aimé, même si clairement c'était une saga très problématique. Ici, on retrouve des choses cher à l'autrice. Il y a eu des moments que j'aimais bien, il y a eu des choses que j'ai bien aimées, mais je sais pas, il y a des côtés très malaisants dans ce young adult, avec cette réincarnation de l'empereur noir, c'est ça, je sais même plus comment il s'appelle le méchant, le grand grand méchant, je ne sais plus. Et donc on est dans une espèce de monde féodal sur une autre dimension, et le Londres de 1821, voilà. Donc un peu victorien comme ça, je sais pas si c'est exactement cette date-là. Et en traversant un portail, le héros va pouvoir se projeter donc dans ce monde féodal, en tout cas dans les restes de ce monde féodal et des gardiens de l'humanité. C'était le roi obscur, voilà, le grand méchant. C'est un peu à la Sauron, vous voyez, le roi obscur a disparu, mais il veut revenir, quoi. Et donc il s'est réincarné. Et donc on va suivre un jeune homme, Will, qui ma foi était fort sympathique. Lui, il aurait pu vraiment me plaire, c'était bien parti. Et l'autrice a introduit un deuxième personnage, une deuxième héroïne. Si je me souviens bien, elle s'appelle Elisabeth, non, Catherine, pardon. Catherine, fille de bonne famille des Argentés. Donc ses parents vont prévoir un mariage. Où son oncle et sa tante. À nouveau, je sais même plus avec qui elle vit. Oui, j'ai vraiment oublié tout. Et cette Catherine, mais m'a agacée tout du long. J'étais là, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette fille? Je comprends pas ce qu'elle vient faire là. Et donc, ce personnage me saoulait à mort. Donc voilà, j'aurais vraiment, vraiment aimé, adoré ce bouquin, mais ce ne fut pas le cas, et devinez quoi, je ne lirai pas le tome 2. Donc mon gros dilemme, là, je ne l'ai pas encore purgé, cet exemplaire de ma bibliothèque, parce qu'il est beau, hein, il faut quand même dire ce qu'il est, il est beau, et on me l'a offert en plus, donc je pense que je vais le garder le plus longtemps possible, mais je crois qu'il serait mieux dans la bibliothèque de mon école, en toute honnêteté. Je vais encore le garder un petit peu là, en attendant qu'il y en ait un autre qui prenne sa place, mais voilà, ça l'a pas fait. En plus de ça, je le lisais en lecture commune avec d'autres personnes et on a assez vite deviné le retournement de situation qui est censé vous surprendre à fond. En tout cas, moi je l'avais deviné et donc ça a fait vraiment flop, d'où le titre de cette vidéo. Il y avait trop d'indices, j'ai été trop perspicace, que voulez-vous. La lecture suivante est en 2 tomes, je l'ai emprunté au Bibliobus, c'est London et Shay. Je vous mets les couvertures, enfin la première couverture du premier tome ici. J'avais emprunté ce livre parce que c'est de Brittany C. Cherry, si je me trompe pas, et Ludo en parle en très très grand bien de sa plume, c'est une de ses autrices qu'il adore, et donc je me dis bah, je vais découvrir, et c'était le seul livre de cette autrice disponible au Bibliobus. C'est pas que j'ai pas aimé cette romance, honnêtement la première partie, le premier tome me plaisait bien, du coup j'ai lu le deuxième tome. Et là, le deuxième tome, c'est celui-là qui a fait vraiment flop. Voilà, le héros change du tout au tout. C'était un gamin que j'aimais bien dans le premier tome. Et dans le deuxième tome, j'étais là, mec, tu fais n'importe quoi et tu m'agaces très, très, très fort. Donc, voilà. Ce que j'ai pas non plus aimé dans ce livre, c'est le whitewashing de la couverture par la maison d'édition francophone. Donc, on a quand même une héroïne, London, ou chez... Non, c'est chez la fille, qui est hispanique et qui est décrite plusieurs fois comme ayant une peau sombre, des cheveux bouclés, etc. Donc elle est vraiment typée, c'est vraiment décrit dans le livre que c'est une personne racisée. Et ils nous mettent sur la couverture cette femme blanche, je sais pas pourquoi. Pareil pour London, j'ai envie de vous dire, voilà. Enfin, donc pour London, c'est pas ça le problème, c'est que on met ce gars barbu sur la couverture. Et dans le premier tome, c'est un gamin de 18 ans.
Ils ont même pas encore 18 ans. Donc pourquoi ont-ils choisi cette couverture? Je ne comprendrai jamais. Pour moi, c'est une erreur de marketing, mais vraiment immense. Il aurait fallu avoir les mêmes personnages, mais qui évoluent entre le premier tome où ils sont adolescents et le deuxième tome où ils sont adultes et vont se retrouver. Enfin, voilà, j'ai pas trop compris. Franchement, le premier tome, oui. Le deuxième, non, il était too much. Elle aurait dû s'arrêter là, selon moi. Bref, je sens que je vais beaucoup plus vite que pour mes tops. J'ai pas envie de m'attarder, j'ai pas non plus envie de descendre en flèche des livres que vous avez peut-être aimés. C'est juste, voilà, je vous rappelle, ça ne le fait pas avec moi, mais ça le fera très certainement avec d'autres lecteurs. Alors, le quatrième titre que j'ai choisi dans mes flops, c'est Kérosène de Aline Dieudonné, que j'ai aussi emprunté au Bibliobus. C'est une œuvre surréaliste, je peux pas le lire autrement. Honnêtement, le résumé me plaisait bien parce que c'est très, très individu. Peut-être bien que c'est 13, qui se retrouve un soir dans une station essence le long de l'autoroute et on va découvrir via des fragments ce qui s'est passé quelques moments auparavant ou au contraire très très longtemps auparavant dans leur vie et c'est le hasard qui les amène bien entendu à faire le plein sur cette station essence à ce moment-là. Honnêtement, j'ai rien à redire sur la plume, j'ai rien à redire non plus sur le concept. Je suis juste déçue de la fin, en fait, qu'il n'y ait pas de lien final et quelque chose qui lie, en fait, tous ces destins entremêlés. J'ai eu vraiment l'impression, à la fin de ma lecture, d'avoir lu ça pour rien. Et c'est ça qui m'a déplu. J'ai pas eu l'impression que les personnages avaient évolué. Et bon, moi, vous savez, mon amour de la transmission. C'est pour ça que je suis sur YouTube, c'est pour ça que je suis sur les réseaux, c'est pour ça que je suis enseignante. Donc, à partir du moment où il n'y a pas cette idée, ce concept qu'un personnage évolue et va changer quelque chose, que la situation de départ est différente de la situation finale, pour moi j'ai vraiment un sentiment de gâchis. Et c'est très très fort aussi pour les séries par exemple que je peux regarder, pour les films que je peux regarder. C'est vraiment quelque chose qui me déçoit énormément en tant que lectrice ou en tant que spectatrice. Et c'est ce qui se passe en fait dans ce livre là. Il n'y a pas de progression en fait, ni d'évolution parmi nos personnages. Donc ben voilà, ça a fait flop. Et ça c'est vraiment très très personnel par rapport à qui je suis et à quel métier j'exerce. Je pense que n'importe qui d'autre ou des personnes un petit peu plus dans le lâcher prise sur l'intrigue seront absolument séduits par ce livre, mais ce ne fut pas mon cas. Une amie très chère à mon cœur m'a également dit que c'était pas le meilleur de l'autrice, donc je retenterai un Aline Dieudonné dans les prochains mois quand j'aurai fait diminuer ma pile à lire parce que là c'est plus possible. Le livre suivant, je l'ai lu au mois d'août, je crois. Oui, je crois que c'était au mois d'août. En tout cas, pendant les vacances, j'ai sorti mon thriller habituel de l'été. C'était un thriller qu'on m'avait offert. Pour ne pas citer, c'était Ludo, comme d'habitude. Et donc, il m'avait offert l'empathie. Alors, l'empathie, c'est vraiment une émotion très particulière pour moi. J'estime être assez empathique et ou en tout cas si je ne le suis pas, j'essaye toujours de comprendre les positions et les sentiments de la personne avec qui je débat. Donc normalement il y avait tout pour me plaire. En plus c'est un thriller qui se passe en France par un écrivain francophone. Je me suis dit vas-y, tu le connais pas, lance-toi, etc. Et ben j'ai vite déchanté. On va suivre en fait un grand pervers, pas pervers narcissique mais un grand malade, un grand pervers, un grand sociopathe mais français, qui s'introduit dans les habitations des gens en escaladant les façades. Et donc plus la cible est haute et plus c'est un challenge, plus ça va l'attirer forcément. Et ce gars en fait torture les gens sur qui il tombe dans les appartements. C'est vraiment glauque et c'est très très fort décrit. Donc attention à vous si vous lisez ce livre. Certes c'est un thriller donc on se doute bien que ça va être glauque, mais les descriptions vont vraiment loin, j'ai trouvé. Et donc, on va suivre ce sociopathe hein, et l'équipe qui va essayer de l'arrêter. Si je me souviens bien. En tout cas, il y a des gens qui vont essayer de l'arrêter. Donc voilà, ça va très mal se passer. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je spoil toute l'intrigue. Et le bouquin est quand même assez gros, même s'il se lit très vite, vu que c'est un thriller et que les chapitres sont très courts.
ce que je dois dire, pourquoi est-ce que j'ai pas aimé ce livre, je pense, si je me souviens bien, j'avais trouvé que les personnages féminins étaient vraiment clichés, pas très bien écrits. On sentait que c'était écrit par un homme et que les pensées d'un personnage féminin, en fait, ici, c'était le fantasme d'un homme. Donc ça m'intéressait pas tant que ça, hein, désolée. Deuxième chose, le grand méchant était un grand méchant, mais tellement, tellement, tellement cliché en fait. C'était un cliché ambulant ce gars. Même des balles qu'on lui tirait en plein cœur n'arrivaient pas à le tuer. Donc à un moment donné, t'as dit, c'est bon quoi, c'est pas un film hollywoodien. Je pense que le gars il peut décéder à un moment donné et que les héros, les gentils peuvent vivre tranquilles. Donc voilà, c'était vraiment trop caricatural pour moi. C'était un espèce de esprit criminel mais grossi à souhait et ça manquait de subtilité. Donc ça fait le taf, j'ai envie de vous dire, pour les vacances à la plage, quand on n'a pas envie de réfléchir, etc. Mais sinon, voilà, je passerai mon tour à nouveau. D'ailleurs, j'ai même pas retenu le nom de l'auteur. Donc voilà, c'est pas un livre qui m'a marqué mémorablement. Malheureusement. Le prochain flop, là, c'est une immense déception pour moi. Je suis vraiment déçue de ne pas l'avoir aimé. J'ai essayé de lire Pachinko que j'avais acheté il y a des années, que j'avais en version e-book, donc je l'ai sorti de ma liseuse. Et ben, je l'ai pas fini, alors que c'est un roman historique. Et que normalement, j'aurais vraiment dû aimer, mais pour moi, il y avait des trop gros défauts dans ce livre. Que pourtant tout le monde aime, j'ai l'impression, même Barack Obama en a parlé en bien. Après, je me suis posé quelques questions par rapport au partenariat qui pouvait avoir lieu entre la maison d'édition francophone qui l'a publié et justement les partenaires, les book influenceurs qui ont reçu le livre, parce que j'ai vu aucune critique négative et pourtant il y a des défauts dans ce bouquin. Premier défaut, c'est qu'on a une très très grosse difficulté à s'attacher au personnage, tout simplement parce que notre héroïne n'est plus notre héroïne en fait. C'est une excuse pour balancer des infos sur la Corée, sur l'immigration, sur la vie de famille à cette époque-là. Et finalement, cette héroïne qu'on voudrait aimer et qu'on voudrait suivre et pour laquelle on voudrait en fait que notre cœur batte et qu'on soit vraiment pris dans ses tourments et ainsi de suite, t'as l'impression de regarder un film et d'être totalement déconnecté de cette personne, de cette héroïne. Donc là, l'autrice a raté quelque chose, je trouve. D'autant plus qu'en fait, toute sa vie va être résumée à des ficelles tirées dans les coulisses par des membres de sa famille ou des personnes qu'elle aura rencontrées. En tout cas, jusqu'au moment où je me suis arrêtée. Sachez donc que je n'ai pas fini le livre, mais que je le lisais en lecture commune avec pour le book club de la chaîne Jeannot ce livre. Et donc, j'ai été lire quand même les conversations, etc. Parce que les filles avançaient beaucoup plus vite que moi. Moi, j'étais vraiment, vraiment à l'arrêt dans cette lecture. Et de ce que j'ai pu lire après, leur avis était sensiblement le même. C'est que cette héroïne se faisait balotter par les événements, par les gens, et que jamais en fait elle n'évolue et jamais elle ne prend son destin en main. Alors voulu, pas voulu, est-ce que ça s'est réellement passé comme ça, est-ce que c'est une maladresse de la part de l'autrice, je ne sais pas, mais moi j'ai laissé tomber le bidule. D'autant plus que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais de sérieuses lacunes en histoire et également culturelles pour comprendre ce livre. Donc l'avantage c'était qu'on était en lecture commune, donc je pouvais poser des questions et mieux comprendre le contexte historique ainsi que culturel. Mais même malgré ça, ça m'a pas permis de raccrocher et d'apprécier cette histoire et d'apprécier la plume de l'autrice tout simplement. À nouveau, je parle de plume alors que je l'ai lu en version traduite, donc si ça tombe c'est un chef-d'œuvre en anglais et j'aurais peut-être dû le lire en anglais plutôt que le lire en français. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'ils ont traduit, vous voyez, du coréen en anglais, puis de l'anglais vers le français, ou ils ont été chercher la version originale. J'espère la version originale, mais allez savoir. Et bien, décidément, je regarde le suivant de la liste, c'était la série des abandons, parce que c'est plus ou moins au même moment. J'ai abandonné Les Maîtres en Lumineur, livre emprunté au Bibliobus à plusieurs reprises parce qu'on en avait dit grand bien sur Instagram. J'ai des copains book influenceurs qui m'ont dit tu vas voir, tu vas adorer. J'ai détesté. J'étais tellement pas... Non, c'est pas que j'ai détesté.
C'est je me suis accrochée et puis en fait plus j'avançais et plus j'étais là, ben, balèque en fait de cette histoire. Que je la lise ou que je la lise pas, ça change rien à ma vie, donc on va arrêter. Dans Les Maîtres en Lumineur, on est dans un monde fantasy, on va suivre une jeune fille voleuse qui est pas dans une position très très bien placée dans la société, et donc c'est pour ça qu'elle doit voler. Elle a subi une opération à l'insu de son plein gré, on va dire ça comme ça, et donc elle veut en fait voler suffisamment pour pouvoir payer une nouvelle opération qui va lui permettre d'être normale, parce que depuis son opération, elle peut entendre les enluminures. Et les enluminures, c'est la magie en fait de cet univers. Donc on va écrire sur des objets, enluminer les objets, pour qu'ils aient des comportements, en fait, les comportements souhaités. Donc c'est ce qui va permettre par exemple à une carriole d'avancer, à des mécanismes de fonctionner, etc. Puisque c'est un monde fantasy, donc il n'y a pas d'électricité, etc. Alors, je dois dire que l'auteur a hyper bien développé son aspect magique et l'univers. Mais alors c'est trop... Il nous l'explique tout le temps dans la première partie du bouquin, la deuxième partie je sais pas, j'ai laissé tomber. Et à un moment donné j'étais là, mais gars, avec toutes tes explications pseudo-scientifiques là, moi j'en peux plus. Je veux que l'histoire avance, qu'est-ce qu'elle va faire cette héroïne et l'autre là, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Donc bref, j'ai pas compris pourquoi il y avait autant d'explications pour un concept quand même, je m'excuse hein, mais relativement simple. En fantasy, c'était pas non plus le truc révolutionnaire de fantasy, j'étais là, on a compris quoi, tu mets des trucs sur les objets, ils deviennent magiques et ils fonctionnent, waouh, grosse révolution. Donc bref, ça m'a embêtée, surtout que l'héroïne à nouveau c'était, ben, c'est une héroïne écrite par un mec quoi, elle était mais totalement inintéressante cette meuf, alors que le héros qu'on suit normalement est un anti-héros. Et j'étais là, bah c'est lui qui m'intéresse, moi je voudrais que tout soit écrit de son point de vue, et non, on a juste quelques chapitres par-ci par-là, avec très très court, avec ce qui se passe pour lui, donc écoutez, un flop, et je l'ai pas fini malheureusement, alors que je l'ai emprunté plusieurs fois au bibliobus, que je l'avais prolongé, et pour ne jamais le terminer. Alors, dans les flops, je pense que je vous en ai parlé aussi en bibliovlog, mais c'est souvent des trucs que j'ai empruntés au bibliobus, hein. C'est Si ça s'apprend, voilà. Si ça s'apprend, c'est une rom-com entre deux membres d'un boys band hyper connu aux États-Unis qui s'apprête à partir en tournée européenne. Et en fait, il y en a un qui sait qu'il est gay et qui voulait faire son coming out quand le boys band s'est formé. Mais la maison de disque a dit c'est pas le moment, on veut te protéger, donc on va faire attention et vraiment voir une fois qu'on sera sûr que tes fans t'en voudront pas et que tout se passera bien et que tu seras pas victime d'homophobie. Sauf qu'il en pince pour un de ses partenaires, pour un des partenaires du boys band. Il va s'avérer que celui-là aussi en pince pour l'autre, même s'il est pas gay. Et donc ça va toujours être le report et leur opposition avec la maison de disque pour faire leur coming out. Et en fait, ce livre, c'est une histoire de pauvre petit garçon riche, si vous voyez ce que je veux dire. Je dis pas, c'est dramatique en effet qu'on puisse pas faire son coming out, mais tout est axé autour de, mon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile d'être une rockstar. Et à un moment donné, t'es là, tu dis, gars, il est clairement dit dans le bouquin que tu voulais faire ça, donc à un moment donné, le pathos, c'est bon, quoi. On va un peu sortir les doigts du huc et vivre sa vie tranquille, quoi. Donc bref, j'ai pas du tout eu d'empathie pour ces deux garçons. J'ai trouvé également la romance très 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 lente, c'était pas très clair. S'ils passaient à l'acte, s'ils s'étaient embrassés, pas embrassés. C'était vraiment long, 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 long. Clairement, je ne suis pas le public pour ce bouquin. Hein. C'est à nouveau du young adult. Je suis trop vieille pour le lire très clairement. Je pense qu'il plaira vraiment aux adolescents, principalement aux adolescentes, hein, cible de ce livre. Mais pour moi, c'était un non. Voilà, même si je l'ai fini. Je vous avoue, je l'ai lu en diagonale, quoi. On va arriver donc à l'avant-dernier. Qui est un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, que je vais pas aller chercher pour vous le montrer en physique parce qu'il est sous une immense pile de livres que je dois mettre en vente sur Vinted. Donc oui, il va être mis en vente. Voilà. Je pense que vous avez vu hein, cette histoire passer partout. C'est l'histoire d'une jeune avocate qui doit passer son barreau, qui a été harcelée adolescente à l'école, et un de ses bourreaux en fait est accusé de meurtre, du meurtre de son meilleur ami et amant du coup, et donc elle décide de le défendre pour se venger.
Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. À partir de quel moment un avocat a pas d'éthique et décide de défendre quelqu'un pour se venger? Et puis même, ça n'a aucun sens. En quoi est-ce que tu vas donc défendre quelqu'un pour le faire sortir de prison? Et en quoi est-ce que c'est une vengeance? J'ai pas compris le principe. Alors pourtant, c'était bien parti parce que ça se passe en automne. Ça se passe... c'est à Glasgow ou à Oxford? À Édimbourg, voilà. Edinburgh, ville que j'ai visitée. Mais alors, les personnages n'ont absolument rien d'anglais. C'est des Français en Écosse. Donc, quel est l'intérêt à nouveau? Même si l'autrice nous décrit vraiment les lieux, etc. Les personnages sont francophones, sont français. Donc ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. La romance entre les deux protagonistes est tirée par les cheveux et toxique à souhait. Et alors, en plus de ça, il y a une enquête qu'on nous vend donc comme un thriller romantique. C'est un cluedo mal fait. Donc voilà, je pense que l'autrice s'est attaquée à un truc un peu trop ambitieux pour elle dans ce tome-là. Peut-être que dans les autres, ça va s'améliorer, puisque là, il y a un hiver pour je ne sais plus quoi qui sort très très prochainement. Peut-être que ce sera mieux, allez savoir. Mais là, ça l'a pas fait. Et honnêtement, on voit l'intrigue arriver au premier tiers du bouquin, et moi j'étais là, bon bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, quoi, à un moment donné, s'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surprise, ma petite dame, j'ai envie de vous dire, ça veut pas dire que je lirai plus jamais de Morgane Moncomble, je pense qu'en romance, je la relirai à nouveau, mais là, non, c'est un livre où je suis passée à côté, mais totalement, quoi. Et enfin, le dernier livre, le dernier flop de l'année 2023. Je vous en ai parlé en long et en large sur Threads et je sais que je vous en ai fait rire beaucoup, tellement j'étais mais désespérée de ce livre, de cette lecture. C'est un pacte avec le roi elfe que je peux pas vous montrer à nouveau en copie physique parce que je l'avais emprunté au bibliobus. Heureusement, vous remarquez quand même que dans tous les flops, c'est beaucoup de livres que j'ai empruntés ou qu'on m'a offert. Franchement, il y en a qu'un... Et il n'y en a qu'un que j'ai acheté. Non, deux. Ouais, ok. Il n'y a que deux livres que j'ai achetés moi-même. Donc, je commence à connaître assez bien mes goûts. Donc, bah, que dire par rapport à ce young adult? C'est un young adult, voilà. Donc, on a une meuf qui est dans une ville, une petite ville sur une île, qui est la soignante, the healer, comment on dit ça? Enfin, la meuf qui soigne tout le monde. Et elle a un ami très proche, elle en est amoureuse, mais ils ne se déclarent pas, nanana. Et là, en fait, on arrive au moment où les elfes vont arriver dans la ville pour trouver la reine elfe, la reine humaine pour les elfes. Au début, on ne sait pas trop c'est quoi le principe, c'est quoi le truc, pourquoi ils viennent chercher une humaine pour devenir leur reine. Moi, j'avais même pas compris qu'elle avait disparu, qu'ils devaient la trouver. Je pensais qu'elle s'était enfuie de chez eux, enfin bref, c'était pas très clair au début, très honnêtement. Puis ça s'est éclairci à un moment donné. Et donc, le meilleur ami de cette meuf lui dit « Viens, on s'en va, c'est trop dangereux. » D'où, quoi, qu'est-ce, comment, à nouveau, on ne sait pas. Et bref, les elfes s'amènent pour se rendre compte que la reine disparue qu'ils cherchent, bah, c'est cette meuf-là. Et si personne ne l'a trouvée, parce que ça fait un an qu'on la cherche, c'est tout simplement parce que son meilleur pote lui a offert un bijou pour cacher sa magie. En toute connaissance de cause, il le savait, il savait très bien ce qu'il faisait pertinemment, mais il voulait la garder pour elle. Bref, un mec ultra, ultra, méga toxique. Honnêtement, et ça, bah, ça se résout, je sais pas moi, en quelques pages, quoi. Et la meuf, c'est son seul ami, quoi, limite, c'est son meilleur ami. Elle en est amoureuse depuis ses 14 ans. Il l'a trahi, et puis genre, un chapitre plus loin, elle s'en fout, elle y pense plus. Et je suis là, mais... Attends, c'est un trauma, quand même. C'est un trauma, donc on va un petit peu se tenir dessus, le digérer, parle un peu de tes émotions, meuf, etc., etc. Non, elle ne le fait pas. Donc voilà, j'étais là à nouveau, what? Pourquoi? Et bref, ça a été de mal en pis après ça. En toute honnêteté, j'ai cru que l'autrice, elle avait fait une checklist de tout ce qu'elle aimait lire en romance, en romantaisie. Elle s'est dit, moi j'aime ça, et donc je vais mettre ça, et donc il y a des péripéties dans chaque chapitre, mais des gros trucs, hein, énormes, genre un enlèvement, en un chapitre c'est réglé quoi, hop. Et à nouveau, on prend pas le temps de digérer le trauma, etc. C'est un enlèvement, enfin, il y a que moi que ça choque ou quoi. Donc bref, récit beaucoup trop rapide,
plume, pas non plus fantastique, fantastique, mais bon, à nouveau, c'est une traduction, donc je sais pas, juger de l'autrice en elle-même, de la plume de l'autrice en elle-même. C'est un young adulte beaucoup trop rapide, selon moi, un peu en mode les beaux mecs bruns ténébreux, les grands mecs ténébreux, discrets, qui disent rien, c'est sexy. Et soi-disant, l'autre, il est tombé amoureux d'elle, il est tombé amoureux d'elle avant elle, etc. Enfin bref, voilà, c'est une romance cliché, quoi. C'est une romance cliché, beaucoup trop rapide, que j'ai pas aimé. Et d'ailleurs, évitez de les acheter en édition collector, vous allez être déçus. J'ai vu que l'autrice avait sorti, non pas un deuxième tome, mais un tome compagnon, peut-être qui... Enfin, c'est un truc qui se passe apparemment dans le même univers. Il est aussi sorti en tome collector. Bon, je vous déconseille de les acheter en collector. Allez d'abord télécharger des extraits pour voir si ça vous plaît, peut-être les emprunter avant de craquer, parce que ça peut vite vite vous revenir très cher pour un bouquin qui n'est pas fifou non plus, ni exceptionnel à mon humble avis. Je pense que c'est très bien pour un été à nouveau sur la plage, mais il ne faut pas en attendre de plus. Et pour quelqu'un qui, comme moi, aime bien lire de la fantaisie, mais des bonnes pavasses avec des retournements de situation, et des trucs qui prennent leur temps... Bah, clairement, ça ne le fait pas. Donc, déçu, déception. Et heureusement que je l'avais emprunté et pas acheté. Bref, ceci clôture mes 10 flops de cette année. Je ne vous parle pas du 11e parce que je veux oublier cette lecture. Mais ceux qui sont sur Twitch le savent. Et ceux qui ont vu mon dernier bibliovlog savent de quel livre également je veux parler. Bref, j'en ai fini avec ce flop. J'espère que voilà, j'ai pas été trop méchante. Vous comprendrez mon point de vue. N'hésitez pas à mettre en commentaire ci-dessous votre plus gros flop monumental de 2023 ou de ce début 2024. Et j'espère en tout cas que mes prochaines lectures seront des tops et rien que des tops ou des bofs, mais pas des flops, parce que les flops, c'est vraiment décevant quand on aime lire comme moi. Donc bref. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine sur Plume à Papote. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, mais également sur Instagram pour des infos un petit peu plus en direct. À la prochaine. Bye!